à tous, on espère que vous allez bien. Ici une nouvelle vidéo de Toys Made TV avec votre duo de choc préféré. Alors, on est en cause aujourd'hui, Jordan. On vous présente une vieille sortie de chez Tsume. Ce sera la One Punch Man Saitama. Un sixième. Ouais. On est très contents parce qu'ici c'est un dépôt client. Oui. Et il nous permet de faire un review, donc ça c'est cool. Et du coup, bah, elle est en vente. Une statue qui avait fait grand bruit à sa sortie parce qu'elle était monstrueuse et tout. Beaucoup de retard, on est d'accord. 1800 exemplaires, c'est pas grand chose. Pas grand chose. Non. C'est une statue vraiment très intéressante comme autre détail. De suite. Boum! Ah, ici, la Saitama, un sixième de chez Tsume. Alors, une statue étonnante, je l'avais jamais vue en vrai. J'ai vu beaucoup de réceptions depuis quelques années, enfin, quelques mois, on va dire. Et là, franchement, merci au cœur de l'a apportée. Elle est nickel, elle a vraiment rien et tout, à part quelques bouts de plastique. Voilà. Alors, je ne connais pas du tout le manga, mais je sais que toi, Jordan, t'es bien, les gars, fan. Rappelle-nous un petit peu ce que c'est One Punch Man. One Punch Man, bah, c'est simplement, c'est un super héros habillé comme une femme ménagère qui, en un coup de poing, règle tous vos soucis et tout, et bute tous les méchants. Voilà. Plus ou moins la trick, c'est plus ou moins ça. Donc c'est très sympa, Superman, quoi. Rigolo. La première saison a fait beaucoup d'unanime. La saison 2, vachement moins, parce que c'était moins bien animé, moins bien rythmé. Tout ça, on connaît, comme d'habitude, j'ai envie de dire, comme la moitié des séries actuelles. Mais faut aussi lire le manga, parce que le manga est vraiment exceptionnel. Même les dessins sont exceptionnel, disponible chez Dragon Comics. Égal, exactement. Alors voilà ici, la statue est déjà une belle envergure. Donc la scène, on peut comprendre le mec d'un simple poids sans regarder. Mais en fait, ça c'est la jaquette du tome 1 et c'est vraiment le premier chapitre. Ouais. Ok, voilà. Bah, il défonce la créature, un méchant, un mutant, un super monstre. Vilain, un monstre, ok. Alors, j'adore déjà le travail d'interprétation, etc. Le simple fait qu'il y a vraiment un trou, hein, vous avez vraiment un trou dans la statue. Le trou, franchement, ouais, c'est chaud à passer votre main dedans, donc easy, donc c'est un peu bizarre. C'est impressionnant. Le travail, moi, dedans, c'est ce que j'aime. Ils ont donné un côté reluisant avec une, justement, comment on appelle ça, vernis. Un vernis, donc ce qui permet justement cette brillance, c'est vraiment bien géré. Puis ensuite, la texture du monstre, pépite, et puis ce que je viens de remarquer à l'instant, la bave, il y a une petite goutte de bave au niveau de la bouche de ce monstre. Bref, en tout cas, ils ont bien mélangé ce côté résine pleine avec du vinyle et du PVC, qui, vinylisé pour la texture, et bah, c'est du PVC pour la bave. Ça, c'est vraiment cool. Donc, on va s'attaquer justement sur le monstre. C'est quand même la plus grosse pièce du diorama. Donc, le monstre, la peau, bah, ouais, franchement, elle est terrible. Ce que j'aime beaucoup, c'est comme tu disais, c'est le travail de texture. Mais en plus, tu as remarqué, à cet endroit, ils ont accentué le vernis brillant dessus. Oui. Bah, pas partout. Hein. Je pense que c'est légitime à l'animé ou en tout cas au manga, mais ça donne vraiment plus de texture alien, c'est ça que j'aime bien. Alors le visage, l'expression de la créature, il est énorme, il est juste mort. Franchement, ils ont géré, c'est terrible. Même le regard, on voit bien que il est mort. Il est mort, ouais. La vie vient de quitter, il regarde dans tous les sens, surtout qu'il a plusieurs yeux. La gueule est méga bien faite, on y reconnaît vraiment du travail un peu à la Prime One, tu vois ce que je veux dire, parce que t'as un travail vraiment plus réaliste, alors que c'est là justement. Le monstre fait plus réaliste que le Saitama, tu vois. Je veux dire, t'as un travail de réalisme à 100%, moins une patte Tsume. T'as plus une patte Saichu Primeone, comme on peut dire. Et alors, à l'arrière, vous avez toute la déjection de colonne vertébrale, de côtes, de sang, de boyaux qui ressort par l'arrière. Et tout y a aimanté. Franchement, c'est une prouesse technologique, enfin, de conception, parce qu'il faut avouer que ça s'appuie à cet endroit, mais on croirait vraiment que ça explose et que ça part, quoi. C'est vraiment on sent vraiment le mouvement, en plus, parce que vous pouvez remarquer, donc, quand vous le mettez sur le côté, il est vraiment bancal. Et il pèse pas 2 petits kilos, le petit loulou, hein. Il pèse son poids. Et du coup, quand je l'ai mis, j'ai fait... Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir? Et au final, oui, ça tient. C'est facilement à emboîter, donc ça, il n'y a rien à dire. Et puis, le travail du Saitama est vraiment bien aussi, également. Oui, il est très bien. Alors, vous avez deux têtes. La première ici, on vous montre, c'est l'expression très... Sérieuse. C'est un moment donné où il passe vraiment en mode Saitama, en mode vraiment BAM, j'explose mes... C'est ma préférée, celle-là, parce qu'elle est plus sérieuse et elle est... Moi, non. Non? Je trouve que... Ben, moi, je trouve qu'il manque quelque chose pour être super fidèle, en fait. Okay. Il manque vraiment ce petit chouïa. Mais c'est mon avis, alors que j'ai vu plein d'arrivages et les gens étaient super contents. Mais c'est plutôt ton interprétation à toi que la statue elle-même. La statue est belle, ok, ça va. Donc ça, c'est la première tête, très sérieuse, très badass. La deuxième... Que je préfère. Moi, j'aime pas du tout. Il y a un moment, ce côté niais, et quand il a cette tête-là, tu fais, mais jamais il peut exploser un monstre en un coup de poing. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. Ok, mais par contre, voilà, les deux visages sont très bien faits, sont fidèles au manga sans problème. Il faut juste noter que c'est bien
bien qu'ils aient pris deux têtes différentes pour les personnes, et surtout que c'est très bien monté, vous avez pu voir, ça rentre dedans direct. Et puis ça rentre facilement aussi. Donc, ouais. Il y en a eu des soucis avec certaines Prime One où il fallait jouer, machin. Les têtes, ouais. C'était un peu chiant. On se rappelle la série, voilà. C'était chiant. Alors par contre, le corps de Saitama, tout le reste du travail, c'est du Tsume. La pâte Tsume, avec vraiment cette texture manga qui travaille toujours. On est dedans, il n'y a aucun doute, même si elle était toute seule, on aurait su que c'est du Tsume. La cape est très bien finie également. Peut-être manque juste de salissure ou de travail de texture. Tu vois ce qu'elle est... Il est tout le temps propre. Et il est. Ouais. Ouais, ouais. Pour un mec qui aime les trucs sales, c'est quand même bizarre que t'aimes Punch Man. Hein. C'est le truc, mais le truc est quasi tout le temps. Il n'y a jamais du sang, il n'est jamais abîmé rien. Très rarement. Ok, ça va. Donc, ça me dérange pas. Et puis, c'est vraiment l'interprétation de cette scène. Donc, elle est comme ça, il vient de faire ses courses. Ouais. Il a son petit poireau dans son petit sac. Il vient de faire ses courses, donc il vient même pas de se battre. Il se balade, puis il y a un monstre qui veut l'agresser. Bam. Et bam, le coup de poids, et c'est fini. Par contre, il faudrait que pour faire le corps, ça aspire, je trouve, du travail de chez Tsume pour ces socles-ci, parce que celui-là, je le trouve super bien fait. Je trouve que le travail de pierre est magnifique. Après, mais les raclures, les petits. Morceaux, ouais. Je sais pas, et il y a puis, quelque chose où le travail de couleur, wow. t'as du très clair jusqu'à du très foncé en passant par du sable. Le vraiment, quand on voit comment critique Prime One au niveau des socles qui sont dégueulasses en termes de pierre, etc., la Tsume à level, mais à au-dessus de tout le monde. Par contre, je sais pas, c'est normal si c'est une route ou une ville, il y a rien qui on dirait juste que c'est un champ de bataille. C'est peut-être que c'est dommage. J'aurais aimé peut-être un début de route ou un début de trottoir parce que. Ici, il fait ses courses, il est dans la rue. Et là, soit il a explosé le sol avant de l'exploser à la créature, mais il y a. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire. Moi, ça me dérange pas. Ah non, c'est parce que moi, je suis plus difficile, mais tu vois, il marche comme ça dans la rue. T'as rarement dans la rue de Tokyo, ou je sais pas où il est, des débris comme ça qui se baladent, tu vois. Donc, mais bon, après, c'est plus ou moins critique pour faire chier. Alors, pour finir, un socle à la Tsume, donc déjà circulaire, avec par contre juste du noir. J'aurais cru qu'il allait mettre plus coloré, tu as du rouge et du jaune. Ouais, mais maintenant ici il est gravé Saitama, donc ouais. Avec un jaune. Donc la base. C'est cool, mais c'est franchement, je trouve que le socle noir de base est très simple pour la licence One Punch Man. Et je suis vraiment curieux de voir les Ikigai One Punch Man. Ouais, ça peut être cool, vraiment cool, même en duo, etc. C'est vraiment chouette. Donc voilà, c'est ça, tu es vraiment sublime chez Tsume qu'on va recevoir en magasin à l'instant. Vous avez pu voir du coup le One Punch Man Saitama de chez Tsume en détail. Wow. What the fuck. Amazing. Vraiment, splendide. Une petite anecdote, je l'avais commandé à une boutique avant que je connaisse ici, avant que je travaille ici. Ah ouais. Et okay. Ces petits loulous, et il l'avait passé à un autre client et en disant ouais, mais ce sont des potes, c'est pas grave. Donc voilà. Bah ouais. Je pleure. Pas très sympa. Merci. Bonne d'enfoiré. Mais en tout cas, ici la statue est disponible au tarif de 439€. C'est juste. C'est que dalle. Alors. On a eu des Pokémon qui n'étaient pas du tout spéculateurs. Et je trouve que c'est le budget de Tsume. Donc, vous dire pour 500€, cette statue-là, taille-là, à 1800 exemplaires, c'est juste ce qu'il faut. C'est parfait, c'est bien. Belle résine, beau travail. Encore une fois, rappel, deux têtes qui sont très, très, très bien aimantées. Écoutez bien. Voilà, c'est balèze. Voilà. Moi, mon avis, alors je ne suis pas du tout fan du manga, ni encore moins de l'animé. Donc, je ne peux pas critiquer ça en tant que fan du manga en lui-même. Mais en statue, franchement, il a c'est bon sens. C'est ça. Tu dois voir. Bon, bientôt. 9 sur 10. La statue vaut 9 sur 10. Pourquoi pas plus? Parce que malgré tout, je m'attendais à. Il y a un truc qui manque. Je sais pas quoi, mais il y a un truc qui manque. Pas de la lumière, je sais pas comment l'expliquer. Mais tous les éléments que j'ai pu dire sont vraiment cool. Mais il me manque quelque chose pour qu'elle fasse. Putain, il faut celle-là, tu vois? Voilà, c'est tout. Mais un bon 9 sur 10 pour ma part. 9,5 sur 10 pour ma part. Oh. Je trouve qu'il y a tout. C'est une très belle pièce. J'aimerais qu'on revienne à des formats plus ou moins similaire chez Tsume, même si dernière présentation j'ai vraiment kiffé, mais celle-ci dégage vraiment quelque chose d'énorme, et quand elle a été présentée, je m'en rappelle toujours, ça avait fait c'était bruit de folie, ouais, parce que c'était The Big Monster avec Saitama. Je trouve, voilà, c'est une scène simple et vite passée, parce que c'est vraiment tout début, ouais. Mais ça résume en moi. Emblématique, c'est la base. Mais voilà, en tout cas, c'est disponible en magasin et sur le site SPPBE, donc n'hésitez pas à le visiter. Sur le site, il y a tous nos produits qui sont disponibles en magasin en général ou en paiement plusieurs fois, etc. N'hésitez pas à demander si vous êtes intéressé pour l'avoir en vrai. On envoie ça partout dans le monde. On vient de dépasser des limites. On a été aux États-Unis, on envoie en Allemagne, en France, en Italie, dans les îles de Corse, en Espagne. Franchement, on est plus en plus. Vous êtes plus nombreux à nous suivre. J'en peux plus. Et merci de vos soutiens. Je vois des étiquettes de tout le monde, de tout l'univers. Ouais. Bientôt, je vais devoir livrer en Mars. Donc, c'est codé. Sur Mars? Et un jour peut-être. Donc voilà, merci de vos commentaires. À chaque fois, vous êtes super réactifs et vous nous faites vraiment plaisir. On se sent vraiment soutenu et on adore le faire. On est chaque fois à passer une review pour vous montrer ce qu'on a en magasin. Merci pour vos retours des pourquoi précoce.
Oui, celui-là il marche super bien. C'est vraiment cool parce que c'est un truc qu'on a un peu piqué aux Américains et qu'on voulait faire depuis un moment et puis on s'est dit on va le faire. À la version française. Mais à version nous, bien entendu. À la liégeoise. Mais on a deux gogoles aussi. On aime bien. Donc voilà, en tout cas, ça tu es sublime. N'hésitez pas à nous poser des questions ou vous la procurer si vous êtes fan de l'animé. C'est vraiment une belle pièce. Et Tsume, du coup, qui est notre partenaire ici en magasin, on a pas mal de pièces à vous présenter. La prochaine, c'est Trafagarlo sur la chaîne. Et après, bah, le reste, parce qu'on sait que qu'il a pas tardé, la Chopper. Enfin, ça suit. Et dès qu'on a Tsume, on la met en review. Et merci en tout cas à Tsume de faire confiance et à améliorer, ne serait-ce qu'un chouïa, leur communication. Ça commence doucement, mais sûrement. Voilà, bah écoutez, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.